C'est-à-dire que les gens qui avaient des allumettes, et du pétrole, l'huile, ils ont allumé les feux et ils sont partis. Maintenant, le feu est resté. Maintenant, ça brûle, ça brûle, ça prend jusque chez les voisins, ça prend encore l'autre voisin, ça prend encore l'autre voisin, jusqu'à ce que tout un quartier a été brûlé de feu. Mais les gens, même là, les gens pauvres qui ont allumé les feux, sont pas là. Ils sont partis, oh. Ils sont allés à la maison, ils mangent, ils boivent, ils dorment bien, mais ils nous ont laissé les feux. Hey. Cette histoire de MMK a pris beaucoup de relève. Les gens, le MMK lui-même, là, qui a été menacé, vous vous souvenez, non? Que les TikTokers ont dit que non, le lundi, ils vont partir là-bas. MMK va voir, on va amener les trains sur son corps. MMK, là, il est où? Il est bien en vie. Il fait sa vie. Il boit de l'eau, il mange, il dort très bien là. Il se réveille, il fait ce qu'il veut. Mais le feu qui a été brûlé là, lui n'est pas là. Lui n'est pas là. Hein? La menace qu'on a menacée MMK là, c'est passé dans l'eau. C'est parti. C'est devenu d'autres personnes stories. Les gens étaient menacés à mort. On a appelé même un marabout béninois. Oh, c'était ici, non? On parlait des manatus qui ne veulent pas partir au Bénin à cause des marabouts, non? Hein? C'était ici, on parlait on dit quoi? On appelle les marabouts quoi encore? Eh, mon sien. Les gris-gris, c'était tout ça. C'était non, c'était ça qu'on parlait de. Allez regarder notre vidéo intitulée Manatu refuse d'aller au Bénin. Vous allez écouter là-bas une dame béninoise qui est montée, qui explique clairement que le maraboutage là au Bénin c'est normal. Donc au Bénin là c'est très normal même. Donc là-bas, si vous vivez, vous faisiez votre vie bien là, vous ne touchez pas la femme d'autrui, vous ne volez pas, donc vous êtes là, vous respectez les lois de la nature là, vous allez vivre longtemps et à l'aise. Mais les gens qui touchent par-ci, par-là, non, il a volé ça, non, qu'est-ce qui est arrivé? On voit même sur Facebook là, là où les abeilles sont allées arrêter un voleur. Les abeilles qu'ils ont arrêté un voleur. Donc, dans les lives ici, il y a quelqu'un qui a été, vous connaissez maman Alvin, tata Alvin même. Tata Alvin. Donc, cette histoire est entrée comment? Chez Roro, parce que c'est Roro, elle connaît bien. Madame Patou, on vous avait expliqué, je ne sais pas quelle vidéo là, allez regarder notre vidéo, MMK a raison. Il y a aussi de vidéos entre les vidéos de la semaine passée là, que vous pouvez aller regarder même pour compléter cette histoire d'aujourd'hui. Roro a dit quoi? Que Madame Patou, c'est Maman Cathy. Alors que c'était faux. Mais pendant que Madame Patou là, elle s'est jugée de ça comme si c'est elle qui est Madame Cathy, Maman Cathy. Pourquoi? Parce que l'enfant de Madame Patou, la cadette de Madame Patou là, son nom c'est Cathy. Madame Patou a son salon de coiffure aux États-Unis. Le nom de son salon là, c'est Cathy. Je ne sais pas si il y a quelle relation solide ou pas solide ou comment entre Madame Patou et puis Roro. Parce que c'est Roro qui a mené sur la toile ici que non, Madame Patou, c'est Maman Cathy. Alors que c'était faux. Maintenant, les gens ont commencé à insulter Madame Patou et ses enfants, sa famille, sa famille est là. Et puis, les gens ont commencé à insulter Madame Patou. Disons que non, Madame Patou, toi, t'es Maman Cathy, tu prends les énergies des enfants d'autrui, tu détruis la vie des jeunes gens, ceci, c'est là, vous êtes ici, vous êtes sorti d'un secte là, qui prend les énergies des enfants d'autrui, donc vous travaillez les énergies des enfants d'autrui pour s'enrichir. Donc le lion que vous donnez là, vous donnez les lions, vous donnez par exemple les 10 lions à l'énergie que vous allez prendre chez la personne, peut-être ça sera des 10 ou 20 lions. C'est pour cela que vous foutez ce que vous foutez dans les réseaux sociaux. Madame Patra a été insultée jusqu'à mort. Jusqu'à ce qu'elle est sortie avec ses preuves pour dire que non, c'est pas moi, Maman Cathy.
on va mettre la vidéo. Vous allez suivre la vidéo. Vous allez écouter. Il y a une TikTokeuse qui s'appelle Caleçon Déchiré. Comme elle a renchéri dans cette histoire. MMK, le grand corbeau. Donc, je ne sais même pas là où ils sont. Moi, quand je monte dans les lives des MMK, là, il n'y a pas signe de quoi. Il est à l'aise. Il est à l'aise. On va passer à la vidéo. Salutations à vous qui êtes en train de me suivre à ce moment. Une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Salutations aussi aux guetteurs. Guetteurs, faites-vous abonner. Faites-vous abonner chez Elliot Stress. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, partagez et surtout, commentez-nous cette page très très gentiment. Voilà, suivons tous la vidéo. Aujourd'hui, je suis là. Suivons la vidéo. Enlevez votre bouche dans le Nyanga. Enlevez votre bouche dans le Nyanga. Surtout Nyanga entre femmes. Toi-même, croyant vous, tu as dit que si c'est pas là entre femmes, là, toi, tu mets pas ta bouche. J'étais plusieurs fois entendu dire ça. Donc, dans quel coup tu veux mettre ta bouche d'affaire de con et con? Dans quel coup? Ou bien tu es devenu PD? Si tu es devenu PD, faut me dire. Parce que tu as dit sur tous les panneaux que tu mettras pas ta bouche dans affaire des femmes. Si les femmes sont très bien, moi, c'est un L. Est-ce que tu as vu? Il y avait un garçon au milieu de nous. Nous-mêmes, on s'est levé, on a chargé notre truc. Même Roro, même qui a renchéri, là, il a respecté la dame. Il ne l'a pas insulté. C'est les mêmes propos que la dame allait dire pour essayer de descendre Roro là. Il a juste rectifié. Donc quel coup tu viens mettre ta bouche dedans pour insulter Roro, pour insulter élu de Dieu? Dans quel coup? Quand on te respecte, il faut respecter aussi les autres. Croyons-vous, il faut respecter aussi les autres. Parce que comme je l'ai dit hier à cette madame Patou là, que le respect là, ça s'obtient. Ce n'est pas en injurant les gens, ce n'est pas en les payant que tu vas pouvoir obtenir le respect des gens. Parce qu'aujourd'hui, là, tu as payé, croyant en vous, pour qu'il vienne insulter Roro et puis élu de Dieu, non. C'est comme ça aussi, un jour, là, il va se lever sur toi et puis il va bien t'insulter. De la tête au pied, en entrant dans ton cul, dans ton anus, chercher dans tes organes et puis il va sortir avec ça. C'est-à-dire les mêmes propos, les mêmes informations que nous sommes en train de te donner pour te bien mal, là. Il a tout enregistré. Logique que tu as l'énervé là, il va se lever sur toi. Va demander à Style B. Va demander à Style B. Ou bien ça aussi, tu n'as pas une tête pour pouvoir en déduire ça. On doit tout te dire. On te dit, il faut rester tranquille. Reste à ta place. Ta soi-disant place où tu es supérieur, où tu es madame, je ne sais pas quoi, reste là-bas. Ne viens pas dans Palabre. De coups communs. Mais tu n'entends pas. Toi, tu es quel genre de femme? Madame, vous êtes quel genre de femme? Qu'elles sont déchirées. Oui. Faut pas oublier que Madame Patou est partie sur un live. Une vieille dame comme ça, elle dit que mais non. C'est ça, en fait. C'est son âge là même là qui m'a dit. Moi, je te sur ses photos. Comme une dame comme ça de son âge peut parler comme ça. Que Roro se ploffe sur ses photos, sur un panel là-bas. Voici une dame. C'est-à-dire une vieille femme frustrée, mal baisée, tellement qu'elle est mal baisée, elle ne fait pas là entre les jeunes. C'est-à-dire tu as laissé tes camarades de ton âge là. Ça veut les petites filles de 30 ans, 29 ans, toi tu viens faire par là. Mais il faut être bête. Il ne faut pas se respecter soi-même pour se mettre dans ce genre de délit là. Moi si j'avais votre âge là, même si je voyais les petites filles en train de sauter là, j'allais fermer ma bouche et puis les ignorer. Mais vous n'avez même pas cette maturité d'ignorance aussi. Vous êtes comment? Vous êtes comment, madame? Sur Facebook, là, vous avez tout fait. Vous avez bien sali votre nom. Sur TikTok, quand vous revenez, vous voulez salir encore votre nom. Après, ce sera quel réseau? Dites-moi. Comme ça, on va se suivre et puis on va bien vous surveiller. Ce sera quel réseau? Allez payer, croyez-vous, pour venir insulter. C'est-à-dire vous-même, là. C'est-à-dire, si ce n'est pas panel, genre, vous ne pouvez pas allumer votre caméra vous-même pour parler. Hein? Ou bien c'est pour aller de panel en panel pour vous asseoir là-bas, pour vociférer, pour dire des mensonges, pour se faire passer pour je ne sais quoi, pour s'inventer une vie, pour s'inventer un statut. C'est toute votre vie là qui est là. C'est toute votre vie là qui est là. N'allez pas vous concentrer sur votre magasin de mèches. N'allez pas vous concentrer sur vos affaires. Restez dans l'affaire des coups communes.
Restez dedans. Regardez son modèle là-bas. Déjà, tout ce qu'on a vu la dernière fois dans sa vidéo, là, c'était superficiel. Regardez moi son modèle. S'il vous plaît, comme étant monté pour venir passer un message là, je pense qu'au moins, boss l'a dit. Ok, merci beaucoup. Vraiment, merci. Il a parlé rapidement, non? Comme je suis au boulot là, il a parlé rapidement. Ok, vas-y, vas-y. D'accord, faut parler. Voilà. Je voulais dire, à croyant en vous là, à la rorotine, il n'y a pas son camarade là-bas. Voilà. Et puis lui, il dit que nous, on a pris à faire des désirs là pour charger, qu'on ne sait pas où c'est parti, où c'est passé là. Nous, on ne charge pas problème des gens pendant des mois, pendant des semaines. On parle de ça et puis on sait que ça va se faire. Les dames n'ont pas venu sur la toile pour dire oui, j'ai porté plainte, je n'ai pas porté plainte. Voilà, c'est pas comme ça se passe. Maintenant, lui, maintenant, là, il a chargé à faire de 13 millions qu'on dit Calvin a pris là. Aujourd'hui, là, il ne parle plus de ça. C'est si maintenant la routine, maintenant il est arrivé. Il a chargé à faire de Calvin, là, juste qu'il s'est battu par un marabout sur son panel. Ils vont tuer Calvin, il va chier. Il va faire ceci. La madre, même, c'est elle-même qui était sur le panel de Croyant Vous là-bas. Il a envoyé marabout sur son panel. Puis ils ont envoyé marabout sur son panel. Un béninois. Un béninois. Ils ont envoyé ça sur son panel là-bas pour dire qu'ils vont tuer Calvin. Ils vont faire ça à Calvin. Il a volé l'argent. Il a fait ceci. Donc, quand il parle d'affaire de Daisy, que c'est arrivé où lui-même, la Calvin est encore vivant. Il a laissé le combat. Ou mais on a lu son combat, c'était pour faire cagnotte pour donner à la fille. Il a dit que Calvin allait ramper pour venir donner l'argent. Calvin n'a pas rampé. Hein? Calvin n'a pas rampé pour venir donner l'argent. Calvin vit. Calvin, il est en train de faire ses lives. Il grossit même pour mettre dessus. Donc, il fait des combats qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, là, c'est la routine qu'il va prendre pour faire débat. Ça veut dire même que non, il ne faut rien. Quand tu vas mettre sa photo, même tu l'as trop bougné, mais enlève sa photo. Il y a les enfants qui sont sur le live. Il y a des enfants qui sont sur le live. Toi aussi, il faut regarder photo là. Il faut regarder photo là. Il faut enlever. Il faut mettre sa photo. Faut le si vous mettez sa photo, mais les 200 personnes, d'autres mecs qui le connaissent, mais peuvent partir le regarder. Oui. Parlons non, de lui comme ça. Comme ça, on va le connaître photo. Aussi. Sans mettre sa photo. Donc, du coup, il parle de Roro là. Il ne sait pas de quoi il parle en fait. Voilà. Il a envie d'animer un panel. Il anime, c'est tout. Sinon, il ne sait même pas de quoi il parle. Voilà. Parce que Roro, la routine, on débat des sujets. Des sujets. Et puis, quand nous-mêmes, comme tellement qu'on réfléchit en fait, quand on arrive à un certain point, par exemple, pour les femmes là, on a débattu. On a vu que la solution, c'était quoi? Allez-y, porter plainte. Si les dames ont porté plainte, et on peut venir nous dire que oui, on a porté plainte, on a fait ceci, on a fait, on peut venir amener les preuves de leur plainte. Voilà. Donc, qui vivra, verra. C'est pas comme lui, il fait le combat, et puis il emmène sorcellerie dedans, les gens même font les prières sur son panel. Calvin, Seigneur va te maudire. Entends lui-même là. Lui-même là. Tu crois pas? Faut demander à la madre. Si elle monte ici, la demander lui. C'est elle-même qui a envoyé ses frères béninois pour venir sur le panel. Comme il était occupé, il pouvait pas parler. C'est elle-même qui a envoyé ses frères sur le panel. Et quand le monsieur m'est monté, il a pris tout le nom de Calvin. Pour dire, il s'appelle comment, son nom de famille, son tout, il a pris. Il est parti mettre ça dans sa casserole, dans leur village. Non, hein, réfléchissez bien. En temps, bah, ouais, là, le monsieur l'a dit. La personne qui a goûté un seul bah, ouais, de cet argent, il est dedans. Donc, tu vous le sais pas, quand Calvin a fait le truc, peut-être que, je ne sais pas si c'est lui, hein, peut-être qu'il a envoyé bah, ouais, mais sur votre live, vous savez quoi. Donc, eux-mêmes, ils sont assis, puis ils sont tricots. Maintenant, on a fait cagnotte. On parle des cagnottes, on dit, est-ce que Calvin avait donné les 13 000 euros? C'était ton combat? C'était ton combat. Est-ce qu'ils vont frapper Calvin? Ils vont envoyer des gens à chose où Calvin habite. Ils vont envoyer des gens pour aller l'attraper. Ça y est, ouf. Attends, donc, c'est quelqu'un même. Dani Ange, oui. Je ne te coupe pas la parole. La madre nous a fait croire qu'elle n'a jamais monté sur le live de Croyant Vous ici tout à l'heure. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Si elle est là, appelez-la. Moi, je suis là. Appelez-la. Non, non. Elle n'a pas dit non, mais elle dit qu'elle ne monte plus là-bas. Ah, elle ne va plus monter à partir de maintenant. Sur l'affaire de Calvin, elle était là. Elle était la principale. Elle était la principale là-bas, en fait. Donc, du coup, à la routine, on est réfléchi. À la routine, on sait ce qu'on fait. Voilà, il dit, c'est nous, on fait service moutonnier. Lui, il sait c'est quel service lui fait. Franchement, il n'a rien à faire. S'il n'a pas de débat, il n'a qu'à dire qu'il n'a pas de débat. Voilà. Maintenant, la madre qui est montée dans la... Pourquoi elle monte? Elle n'a rien à dire, qu'elle reste en bas ou bien? Oui, je comprends pas. Si tu restes en bas, on te fait quoi? Mais tu viens, tu fais semblant de parler, de faire ceci. Franchement, il y a des choses, hein. Il y a des choses. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, là. Quelqu'un qui déplace Marabout pour venir sur son panel. C'est-à-dire que devant tout le monde... C'est moi qui ai dit ça. Si elle dit c'est faux, là, qu'elle vient. Croyez-en vous aussi, elle est dedans.
devant un public, oui, oui. Regarde sur TikTok, vous déplacez ma bouche. Il a dit, bon, j'étais étonné quand moi-même, j'ai commencé à prier dans mon cœur pour Calvin. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui as donné la vie à cet enfant. Tout ce qu'ils vont pratiquer sur sa vie, ses parents et tout, que ça soit nul et sans effet. Sans connaître Calvin, c'est moi qui suis parti taper maintenant Calvin pour aller voir qui est Calvin. Je suis parti sur son live, il dit Calvin, il faut prier que Dieu te protège. Ta mission te fait sorcellerie sur la vie du jeune. Déplacer. Toi, tu fais la sorcellerie sur la vie du jeune. C'est ma première fois d'entendre ça. Oui, oui. Et puis après, ils ont commencé à parler en béninois et tout et tout. Et puis après, mais il veut maintenant camoufler pour dire, non, c'est pas lui, hein, c'est quelqu'un d'autre. Entends, ceux que tu es là depuis le début ont bien compris. Mais attends, le but, ils étaient pleins. Le but de déplacer le marabout là, c'était de faire quoi à Calvin? C'était de tuer Calvin pour que Calvin ait la diarrhée, il coupe pour venir donner l'un de la fille en fait. Mm-hmm. Donc les gens lui ont donné 48 heures. D'abord, un, c'était 24 heures. Maintenant, 24 heures, comme ça ne prenait pas, le monsieur a dit 48 heures. Donc du coup, Calvin était dans son live, Calvin disait, il disait, c'est qu'il a su bientôt, il est mort, donc on attend, restons en live, vous allez me voir mourir bientôt, restons en live. Et ils étaient là, ils rigolaient, ils parlaient avec ses amis et tout, ils faisaient monter personne, il était qu'avec ces gens seulement sur son live. Et ils partaient, ces gens, ça m'a aussi, ils partaient dans le live aussi du monsieur qui est là, là, pour aller parler aussi. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos abonnés. Bon retour à vous, nos guetteurs. Oui, vous, les guetteurs. Bon retour aussi à ceux qui sont ici pour leur toute première fois. En tout cas, ensemble avec les guetteurs, n'oubliez pas de vous faire abonner. Hein? Ne quittez pas la page avant de vous faire abonner. Cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout, commentez-nous nos vidéos très très gentiment. Voilà, on a tout suivi comme Madame Patou a été insultée à mort sous la toile. Mais ça, c'est pas seulement le panel qu'on a insulté Madame Patou, mais il y a aussi d'autres panels. Pourquoi? Parce que Madame Patou là, c'était Roro qui avait dit que Madame Patou, c'est Maman Cathy. On s'avait expliqué dans l'une de nos vidéos ou deux vidéos là, je pense la semaine passée, que apparemment, Roro connaît Maman Cathy. Mais le Maman Cathy, la Maman Cathy qui Roro connaît là, c'était pas Maman Cathy. Maman Cathy du vrai, c'était Madame Patou. Pourquoi? Parce que Roro pensait que Madame Patou, c'est Maman Cathy. Comment? Parce que la cadette de Madame Patou s'appelle Cathy. Madame Patou a ses entreprises, on n'a pas de preuves, mais c'est ce qu'on a écouté. Et puis, elle a son salon de coiffure nommé Cathy. Donc, à partir de ça, Roro a pensé que Maman Cathy, que les gens, que le compte là qui est Maman Cathy, c'était Madame Patou. Pourquoi? Parce que les entreprises de Madame Patou et puis son salon de coiffure, le nom c'est Cathy. Vous voyez? Mais aussi, Roro a été insulté aussi sous la toile. Je ne sais pas si on a des vidéos. Je vais demander à ma team derrière la caméra si on a des vidéos de ça. Donc, les vies sont menacées. Là où même, on a fait monter le Béninois. Et puis, ils ont dit quoi? Ils vont donner le nom de Tata à Calvin. Et puis, c'était qui là, l'autre là, j'ai oublié. Que ils ne vont pas voir la fin de cette année. Mais pendant que MMK là où il est calme. Le grand corbeau, elle est calme. Maman Cathy, n'en parlons même pas. Apparemment, Maman Cathy est rentrée. Elle est rentrée et elle a donné des lieux, je ne sais pas à qui là, mais c'était seulement des informations. J'ai passé, j'étais des passages. Que Maman Cathy est de retour. Elle a donné des lieux, si c'est à qui là, et tout, et tout, et tout. Et puis, le grand corbeau, elle-même, elle est là. La team de Maman Cathy qui travaille avec elle, silence. Mais la vie des gens est entré en danger à cause de cette histoire que les gens là qui ont allumé des feux là ne sont même pas là. Les gens là ne sont pas là où ils sont dans leur maison. Si aujourd'hui Tata Alvin meurt aujourd'hui là à cause de cette histoire, vous voyez, c'est pour cela que je vous dis ici là, vous nos abonnés là, ne partez pas en TikTok.
ne partez pas là-bas. Car là-bas, c'est evil. Là-bas, c'est trop chaud. Donc, si vous n'avez pas 5 organes là, 5 organes solides. Donc, il faut avoir 5 organes solides. Vous avez 5 cœurs, vous avez 5 poumons, vous avez tout là, vous avez ça, 5. Et puis, ça devait être des bons poumons, des bons cœurs, des cœurs solides. Sinon là, vous allez mourir. C'est que vous allez écouter la voix, c'est tomber comme ça et vous partez. Les TikTok, très dangereux que vous voyez là. Alors, faut nous laisser aller là-bas. Où vous n'allez pas là-bas, on vous protège, n'allez pas là-bas. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est très, très, très dangereux là-bas. Et on a donné conseil à nos enfants là, à nos mamans qui ont des enfants, qui ont TikTok. Peut-être il faudra les surveiller. Parce que ce que les enfants font là, peut-être les parents ne sont pas informés. Vous voyez, comme la petite fille qui était morte l'année passée, là, la Congolaise de 16 ans, en voulant faire des challenges avec le foulard et elle est morte. Vous voyez, alors il faut surveiller les enfants aussi. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci énormément. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Et je vais manger. Alors, qu'on se voit à la prochaine épisode. Merci infiniment à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci aussi à vous les guetteurs. Votre travail, c'est de guetter là. Oui, continuez de guetter. Continuez, vous allez être fatigués. Vous allez venir dans la maison de l'eau très haut. Parce qu'on vous a fait là, vos pieds sont fatigués, vous avez faim, vous avez soif, mais vous êtes là à guetter comme you are enjoying it. So, enjoy. Vous qui êtes ici pour la première fois, ne suivez pas les guetteurs. Faites-vous abonner chez Elliot Stress. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, partagez et commentez-nous cette page très gentiment. Car ici, on est très gentil. Ici, on ne prend pas de part. Et les papas, les mamans là, qui ont des enfants, qui ont des enfants de 18 ans là, un peu montés là, amenez vos enfants ici. Ici, c'est l'éducation. Ici, on n'insulte pas. On donne de bons conseils. Surtout à la génération qui vient là. Oui. Même aux vieilles personnes là, oui. Si c'est juste, on dit c'est juste. Le travail de Big Ruta, c'est juste et juste. On ne prend pas de part. Ce qui est bon est bon. Ce qui est mauvais, là, on ne discute pas. Voilà. Mouah. Bisous à vous, nos abonnés. On se voit à la prochaine épisode. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.